Mesdames, messieurs, la famille, Jean Kessa lui-même l'était déjà annoncé. Force multinationale cap vin aidé. PNH, FADH, bataille contre nèg exam. Dans région métropolitaine Port-au-Prince et dans tout l'autre département yo, eh bien, li sou route pour atterrir tout bon fri. C'est la toute dernière information que nous-mêmes nous collectons. Président Kenya, William Ruto, qui déjà trouvé là dans pays États-Unis, cap gè pour rencontrer ensemble avec président américain Joe Biden dans deux jours encore, soit pour 23. Et ces dates ça même, yo bay comme date premier troupe militaire pour rentrer dans pays d'Haïti. Hier, qui était 20 mai 2024 là. Ça nous a constaté dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Une délégation Kenya t'est débarqué dans pays là dans objectif pour venir faire analyse, inspection sous arrivée force multinationale là dans le pays d'Haïti. Dans dernier temps ça a plus passé 10 vols avion militaire américain qui débarqué avec un pile matériel. Selon un pile journaliste, un pile haïtien pour le perdre la vie dans jour qui vient pour venir là. Les autres fait dit ça. En pile nèg exam, yo trouvé au nan mitan population. Gede opération pral fait a gen en pile moun nan population civile là kap victime tout bon fri. Et mes amis internautes, yo instance nan pays Kenya souffleti démentibilé. Pays d'Haïti en bas gros soufflette nan quatre dossiers force multinationale ça. Et yo ta fè konnen ki si Kenya li voye policier en réalité dans pays d'Haïti qui conséquence ça li même li pral gagner et en peu le monde tout yo pose c'est les sous qui ça sous quantité de temps force multinationale ça li même li pral faire dans pays d'Haïti avant yo établi sécurité et avant même yo quitter pays ya. De l'autre question qu'a posé tout tout matériel ça qu'a rentré dans pays d'Haïti est-ce que les militaires ça y a quitté pays d'Haïti, y a fait même ça avec ministre, y a quitté pays d'Haïti avec tout matériel yo ou bien est-ce que matériel ça pour aller pour servir pays ya? J'en ai même yo déjà annoncé un peu le matériel à rentrer. C'est mes internautes question qu'a posé. Nous grand peu le monde qui relè nous qu'a demandé Egui Philippe et Bessap qui rôle yo même yo pour jouer dans pays d'Haïti. Les forces sa fin rentre. Puisque yon connaît, partisan qui Philippe yon toujours dans la rue, yon manifesté mécontentement yon à l'égard du conseil présidentiel transition sa, qui yon même yon jugé, qui pas régler rien pour pays d'Haïti. Qui Philippe toujours là, en pile appel à fait, pour pas qu'il moyen yon ka négocier. Ensemble avec tout partisan, accès partisan politique, qui toujours dans la rue, yon manifesté. Conseil présidentiel là, vle chita parler à tout le monde. Edgar Leblanc fils, qui te bénéficié, support PHTK, support ancien président de la République, Joseph Michel Martelly, qui dernière nouvelle yo ta fait comprendre, équipe Michel Martelly, qui gen Josier Pierre lui, secrétaire général par le national, qui la dan, yo même, yo pas appuyé l'autre monde, qui Edgar Leblanc fils, qui c'est actuel président, conseil présidentiel transition. Et dossier présidence tournante là, n'est-ce pas même, yo pas approuvé, si on a raison qui fait, dossier ça va jamais qu'à publier dans la presse nationale. Question qu'a posé encore, est-ce que gouvernement, Edgar Leblanc fils ça, c'est pas un gouvernement qui pral en bas mais ancien président de la République là, Joseph Michel Martelly. Est-ce que conseil présidentiel ça, il pas pral guillon en tête, qui pas fait partie de lui, cap bayo l'ordre pour exécuter. Nous pote son pote image, en de la vidéo ça, nous pral permettre ou gen en pile détail parce que CARICOM de conseil avec Conseil Sécurité Nations Unies y a vu tout bagay yon façon pour est-ce que pays d'Haïti lui-même la pral yon souf tout bon vri. Ou même qui fait tomber sur plateforme ça. Celle façon ka encourager nous. Si là ou quitte yon gen commenter, yon gen like et puis ou abonne à plateforme nan. Ça permet la communauté noire de agrandir plus et de rejoindre plus de monde. Nous prenons un petit temps pour nous tenter d'extraire audio ça. Après,
N'attend dans espace commentaire analyse opinion chaque grain haïtien conséquent cap suivre plateforme ça chaque jour entendez ensemble et puis n'attend dans espace commentaire toute analyse ensemble avec tout abonné fidèle plateforme ça qui c'est Haiti News 800k bay oublier pote max songer peuple haïtien. Je dis extrêmement important dans la première partie de l'émission hein, pour que nous fassions un petit parler avec président, ancien président, ministre, ancien ministre, directeur général que nous avons dans le pays, qui vive en Dominicanie et qui a investi en pile l'argent dans l'immobilier en Dominicanie. Raison qui cause, moi-même Beto, garçon canson, ne qui pas peur chaye là, viens parler de ça, je dis. Hein, c'est après journée électorale ça qui passait en Dominicanie. Jean le passé soir, passé douce, passé propre, passé belle. Je dis, monsieur, faut me parler. Et me dit, intérêt pour continuer la bataille pour que le pays me sorte dans sa que le trouve là en bas griffe criminelle ça. Oh! Beaucoup de gens me saisissent comme ça nous mettre là. 19 mai. C'était élection présidentielle sénatoriale pour la Chambre des députés en Dominicanie. Dominique, tu as voté 190 députés, 32 sénateurs, yon président de la République. C'est ce que vous fait. Élection faite. Vers l'heure 7h pour 10h du soir, deux candidats qui pas gagné yo. À savoir, ancien président Leonel Fernandez, qui deuxième, Abel Martinez, qui c'est ancien magistrat de Santiago, qui troisième, yo prend téléphone, yo relè président Luis Abinadel pour féliciter et dit viva la République Dominicana. Abel Martinez, pour machine li. Li conduit 1h45 minutes pour monter dans la capitale Santo Domingo pour venir rencontrer avec l'ancien président Leonel Fernandez pour monter son plateau pour le remercier publiquement. Président qui réélu dans l'élection qui c'est Luis Abinadel. Oh! Bravo! Bravo pour Dominicain. Bravo pour Dominicain. C'est pas sans raison que la Dominicanie arrive dans le niveau de là. Abel Martinez habite Santiago de los Caballeros. Que moi je connais très bien. Magistrat, monsieur Teye. Monsieur quitte Santiago, après le finir le Luis Abinadel dans le téléphone, oui. Ça pas suffit. Monsieur prend machine, ni cottage, li, sécurité, il conduit 1h45 minutes pour monter capital Santo Domingo. Vin jeune Luis Abinadel devant toute chaîne télévision pays pour bailler la main accolade pour remercier et féliciter pour véritable victoire ça. Ça, c'est un signe à clé qui montre que la Dominicanie n'a même pas un bac pour le faire et qu'elle n'est pas camarade nous-mêmes comme haïtiens. Pas bêtisé. Et ça qui cause l'innécessaire pour que moi-même, je parle ensemble avec Zami Mreyo qui est dans la diaspora, qui est clé en pile, qui comprennent ça, le fait pays, développement, comment on fait, qui voit comment pays fonctionne. Plus trouver que li important matin, alors je dis pour que nous parler, nous adresser nous ensemble avec la diaspora haïtienne. Parce que je pense que c'est le seul espoir que Haïti gagne pour que le sorti la situation difficile que nous avons mis là. Je profite tout, je me dis nous, pour me parler ensemble avec Jocelyn River, qui investit des millions de dollars américains
dans l'immobilier en Dominicani. Jocelyn Mbalbalavou. Ma profite pour me saluer. Alors, chaque grand ami, capitaine de nous la France qui continue à bataille pour réclamer choix ou bien tout, choix que le peuple haïtien fait pour que yo respecte l. Et ma remercier tout haïtien dans le Canada, Boustadio, Madame Sarah, Pasteur Kayo, tous les amis dans le Canada qui campent, qui font mobilisation, qui dit faut que choix peuple a respecté jusqu'à maintenant. Je dis bravo. Je remercie tout haïtien qui est aux États-Unis d'Amérique, qui pourrait faire des mouvements dans Washington DC. Parce que je dis qui c'est 21 mai 2024, là, pardon. Président William Ruto, monsieur déjà Washington DC. Monsieur rentré hier, qui était 20 ans. Monsieur Washington DC, dans l'hôtel maintenant. Et monsieur Gagné pour le rencontrer ensemble avec président Biden. Et le 23 mai kap vin là. Et mes haïtiens qui a déjà Washington DC et pour aller essayer faire passer revendication yo. Et me dit bravo tout monde qui capable participer. Yo me dégagé à participer. Mais même si me capable là, me t'a fait effort pour que me là. Mais participation pas maintenant nous connaît que m'a jouer chaque me pour me bailler. Me dit bravo. Quitte m'avancer. Nous pourrons parler avec Jean-Henri Seyan. Jean-Henri Seyan, notaire de la République, ancien candidat à la présidence pendant deux fois, qui a fait proie dans l'élection tout, ancien premier ministre. Jean-Henri Seyan, qui a investi des dizaines de millions de dollars américains dans l'immobilier en Dominicanie. Jean-Henri Seyan. Plusieurs sénateurs, anciens sénateurs dans le pays d'Haïti, qui ont investi dans l'immobilier. Gagné même, Luis Abinadel même mettait sur liste des sanctions. Mais qui acheté bien Dominicani pour plus passer 30 millions de dollars américains, et bien je dis pas qu'à Mizago en Dominicani. Nous comprenons ça, ça veut dire? Ancien ministre Jacques Rousseau, en pile million, investi en Dominicani. Contre l'argent sorti, l'argent est volant en Haïti. Ancien premier ministre Jean-Max Bellerive, l'argent volant en Haïti, l'a investi en Dominicani. Défaite, monsieur, toute famille c'est dominicain, toute famille madame ni, dominicain, petite dominicaine, vous comprenez? Et monsieur tout, et j'étais un véritable dominicain. Haïti pas intéressé yo, volant ça yo, Haïti son espace qui a produit l'argent pour volant l'argent pour aller investir en Dominicani. Et mes peuples haïtiens, avant que nous parlions de volo, yo, son j'aime te dire, non. Gagné, yo bagay kap parler dans tout couloir politique en Dominicani, dans tout couloir côté politique à parler, côté que Haïti, c'est un véritable poumon économique pour la Dominicani, et que yo pas vle dire publiquement. Yo a fait là avec hypocrisie. Il a humilié haïtien pendant ce temps. Haïtien a fait des milliards de dollars américains rentrer en Dominicani. L'homme fou est dans Kalalou. Et pour me connaître qui choye, c'est à travers un véritable projet qu'il a, un véritable investissement. Un projet d'investissement qui a déjà commencé. Qu'il a pour 20 années. Qu'il a commencé dans la zone pédénale. Et d'un an qui collé avec un sapit, département sud-est pays, que me sorti. Moi, je connais Pédénal très bien, je passe là, je dormi là, et je traverse mal dans le pays. Parce que je suis nègre sud-est. Eh bien, frère, avec ça, cap tende nous, cap gade nous là. Mais moi, je cherche à comprendre la réalité. Hein? Luis, moi, que Luis Abinadel, son un type qui est extrêmement intelligent. Et Laurent Lamothe, sous Matéli, tape CF, font bagay comme ça. Secteur privé des affaires, là, te wè ke fok yo dévore la mot. Et la mot tape fèl à l'époque, monsieur tape fèl haïtien pot ko, et capable comprendre ni, parce que te tellement gen gagote, te tellement gen vol sous Matéli, li vin fè que le, la mot tape pose une action ki bon, et bien pas ka passe,
du tout parce que tellement de bagaille qui sale qu'a fait. Mais tout mouvement dénonciation crasé brisé qu'a fait yo, c'est par rapport avec des actions concrètes que Laurent Salvador Lamotte, des monde que me connaît nous grand pile problème ensemble avec elle, que m'a dit des véritables solides qui n'a pas avec action qu'elle t'a posé. Laurent Salvador Lamotte, monsieur t'es complot un projet. En vérité mon Dieu, si que haïtien en Haïti, tu as un système politique, tu as une stabilité dans les affaires politiques en Haïti. Non seulement Martin Lepa n'a pas volé tout comme ça, l'équipe Martin Lepa n'a pas volé tout comme ça, mais tu as un bagage concrètement que tu as fait en Haïti, nous sommes capables de mettre le pays en sourail. Laurent Lamotte a des plans. Et ça qui cause les Mateli tête calée, Bobis, Madame Mateli, Bofre Mateli, Allié Mateli, Gangali en général, pas de Vleoué, Laurent Salvador Lamotte. Je vais l'expliquer. Là, nous sommes comme si tu as une promotion que tu as fait. Et que Haïti is open for business. Haïti open for business. Nous t'étendons des bagages comme ça. Pays tout de rose. Belle image à vendre. T'es comme une véritable critique crasée brisée. Nous t'es déclenché dans le pays pendant que l'image t'a pris vers l'extérieur. Et nous t'es ouais, en pile monde commencé à rentrer dans le pays. Par rapport avec l'image qu'a vendre dans le pays. M'a dit nos grandes bagages. Ou peut-être capable de problème personnel. Si vous gagnez. Avec la mort, je vais rentrer là-dedans. Ou quand vous voulez un politique tout, avec la mort, je vais rentrer là-dedans. Même Abdou ça. Ou un même plan, même stratégie que Laurent Lamotte a développé, c'est même lui-même que la Dominicaine prend depuis. Attendez bien, oui. Depuis en 2014, il prend stratégie la mort là, et c'est lui qui applique la Dominicaine, et c'est lui qui a le résultat en 2023. 31 décembre 2023, qui fait que la Dominicanie collecte 11 milliards de dollars américains dans le secteur touristique là seulement. Nous comprenons ça, ça veut dire 11 milliards de dollars américains seulement dans le secteur touristique là. Et mais les oligarques corrompus qui ne veulent pour que les touristes rentrent dans le pays, pour que l'autre monde vienne investir dans le pays, ils disent qu'il faut que dévorer la motte. La mort touche un dossier qui est extrêmement brûlant, qui est fragile, et c'est dossier ça tout, qui touche Jovenel Moïse, qui c'est dossier électricité d'Haïti. Ça fait courant. La mort dit que la baie courant dans 22 mois, 24 sur 24 dans le pays, et monsieur de Guéplan. Et je ne dossier pour tout le monde. Jovenel te joué ni, et c'est la négoire Jovenel Moïse pour la baie courant pour tout le monde. La négoire fout tout le Jovenel. Et dis-moi, tu vas bon tout le Jovenel. Le courant yo, le verb yo. Donc, une question pour nous répondre dans le dossier assassinat Jovenel. Messieurs, dames, je vais vous dire Haïti, tu as une bonne relation avec la Dominicanie. Oui, tu es capable de une bonne relation. Mais pour une bonne relation avec la Dominicanie, il faut que vous preniez des décisions drastiques avec les gens qui fonctionnent dans le pays, que les têtes businessmen. Si nous avons des hommes d'affaires, même j'ai la Dominicani Gayel, un qui multimillionnaire, ok? Ou t'as pris deux pays ça yo, t'as pris des coopérations, tête chargée t'as fait, business rentré sorti t'as fait, et que peuple t'as fonctionné normalement, Dominique t'as rentré sorti en Haïti, j'ai qu'on fait longtemps, Haïti t'as rentré sorti en Dominicani, pas t'as pris problème. Ou Haïti pas t'as besoin visa pour traverser la Dominicani, c'est juste checko t'as checké seulement. Haïti pas t'as besoin monter la Dominicani, illégal. C'est checké pour 20 dollars pour 1000 pesos, vous comprenez, et pour monter. Mais par conséquent, la nègre réduit Haïti, mettez le niveau ça, la Dominicaine a intérêt à monter le volume pour contrôler le territoire parce que quelque part, vous venez paraître une véritable menace pour lui. Et surtout, il y a des colonels dominicains qui ont des connivences avec des vols dans le secteur privé d'Haïti, et pour que vous ne pourriez payer avec ZAM. La Dominicaine trouve très bien, il y a pile ZAM qui a sorti de la Kali pour entrer en Haïti, pour aller tout les Haïtiens, pour créer instabilité, insécurité généralisée dans le pays pour que c'est lui-même qui contrôle les affaires touristiques Zilea. C'est ça qui baille. Imbécile qui pas prend. Abinadel Junior cadeau en or. Monsieur exploite le bien. Et monsieur fait tout politicien, tout soi-disant homme d'affaires criminel haïtien, Kalkachan Dominicani, monsieur fait tout pelle pour le décider de faire salver, l'élever Jean le Pipito pour personne ne pas poser la question. Eh bien, nous trouvons que c'est nécessaire pour que nous-mêmes dans InfoBerto, qui comprennent la réalité, ça pour nous venir parler ensemble avec vous. Et pour nous permettre de prendre responsabilité autour parce que, en pile dans nous, toujours caché, comme si nous pouvons parler, nous pouvons exprimer nous vraiment, comme si nous tous pouvons mourir. C'est comme si Mdadjo, moi-même seulement, nous ne pouvons pas mourir. Mais qui te mourir pour quoi? Qui te mourir non?
Qui te mouri ma bouche tout nous toutes. Qui te mouri ma bouche tout nous toutes. Ou capable parler même j'avais. Ou capable paraître derrière caméra ça derrière micro ça même j'avais. Mais par conséquent, lors je une émission attendel. Ou gen pour obligation naturellement pour qu'on partage avec nos amis pour faciliter plus moun capable tendre des vérités de vérités que n'a parlé yo pour justement yo capable comprendre ça qui a passé dans affaires politiques iléa. Et bien m'a dit nous que le match cherché qu'on est intérêt la Dominicanie en Haïti. Qui l'a mal questionné ça pour me comprendre ça? C'est à travers des déclarations que proche gouvernement dominicain et porte-parole et gouvernement dominicain te fait qui fait que mal poser question. Quand que yo questionné rentrée Guy Philippe en dans pays ya. Guy Philippe gon quantité journaliste dominicain qui a pris l'émission dans toutes médias qui a questionné le Capalavel. Pas oublier Guy Philippe étudié en Équateur, monsieur parlait espagnol. Monsieur gon facilité pour communiquer avec journaliste dominicain yo. Déclaration Guy Philippe. Alors ça que fait journaliste dominicain qui a questionné Guy Philippe, c'est Guy Philippe a fait des banales actualités en Dominicanie et puis dominicain comme analyste politique dominicain commence à voir Guy Philippe comme une véritable menace pour la Dominicanie. Selon analyse qui est fait sous comportement Guy Philippe et discours Guy Philippe. Il voit Guy Philippe comme une véritable menace pour la Dominicanie. Et bien moi comprendre à l'analyse, analyse politique que dominicain fait là, me comprendre le contexte que allé là. Et discours Guy Philippe là vrai. Par rapport avec ça que moi que la Dominicanie a récolté dans le pays d'Haïti, en vérité bon Dieu, Guy Philippe c'est pour menace numéro 1 la Dominicanie en Haïti. Alors sous Iléa. Moi comprends nèg yo très bien et me dit nèg yo, yo gen raison. Eh bien, là que Guy Philippe lancé mot d'ordre pour révolution libération pays d'Haïti 2024 là, elle dit clairement et que année 2024 ça doit marquer un tournant dans l'histoire nous comme peuple. C'est année pour que haïtiens qu'on est que t'a vivre une situation difficile pendant des années et bien année 2024 là c'est année nous mettre main dans bataille là pour nous libérer pays et définitivement nous faire pour tout bon. Dominique attendez et au gars mon cap traduit pour gars ici qui travaille avec yo parler qui choy là Guy Philippe frappé fort dans média. On y a là des proches gouvernement dominicain qui travaille dans l'état dominicain proche gouvernement Abinadel là. Nego dit que révolution que Guy Philippe a prôné là ils sont véritable menace pour la République dominicaine. Maintenant mal chercher dans qui mal chercher comprendre dans qui contexte qu'elle dit. Mais moi contexte ça devant mais mal analyser sous plusieurs autres angles. Moi que gain économique gagné et me capable dit politique pour que yo toujours kembe Haïti dans situation difficile qu'elle nouvelle là pour capable dominer Zilea pour paraître toujours paraître comme dirigeant qui plus belle mais résultat c'est économique ça veut dire que me basé sur économie oui bah là Guy Philippe parlait de agriculture là qui gagne en pile l'argent que la Dominicanie. C'est lui-même qui vend Haïti toute fatra que le produit la Kaili. Mais de fait, le Guy Philippe parlait de supporter le secteur agricole. Là. Le Guy Philippe débarquait 3 janvier 2023. Et 3 janvier 2024, pardon, sous canal. Là. Guy Philippe supporte canal là, avec masse peuple de Edol. C'est une véritable menace. Et laisse à moi Dominicani craquer. Tout journaliste dominicain après le Guy Philippe. Média dominicain ont paniqué. Guy Philippe a fait abdomen actualité en Dominicani. Et puis, il me dit bientôt. Qui ça qui intérêt ou vraiment? Mal pi loin. Moi vin jouen. Yon bagay kap pale nan couloir. Te gen yon bank. Sou époque coloniale. Nan ba plein Maribao. Pli précisément. Nan espace côté canal la construit ya. Après. Yon véritable tremblement de terre. Que m'pas songe ané ya. 1700 combien ou bien 1800 combien yo. Ebe bank sa te effondré complètement. Banque ça c'est une banque qui te gagne pile en pile l'or avec diamant là-dedans. Eh bien, l'État dominicain est au courant. Les oligarques corrompus dans le pays d'Haïti cap exploiter richesse. M'a dit nous avons une bagaille qui est extrêmement important. Et m'a dit haïtien ça, si nous intelligents comprennent.
suspend attaquer blanc dans dit blanc à venir exploiter richesse dans pays d'Haïti. Premier groupe qu'on cap exploiter richesse dans pays d'Haïti, les relé messieurs oligarchie. Nous pas jamais comprendre ça. Et au travail pour des blancs qui extrêmement riches et qui extrêmement puissants dans le monde là. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas faire avec haïtiens pour Haïti pas développer. Ils ont décidé pour que ils exploitent toute richesse qui est dans pays d'Haïti, mais c'est pour eux-mêmes, pour intérêt personnel, pour payer à toujours être dans cette nouvelle là. Pendant ce temps, haïtiens qui ont barré tout en tête, qui est-ce qui met dans la tête, c'est même oligarque ça, qui fait journaliste traditionnel corrompu, vicieux, sans vision dans pays d'Haïti, mettez dans la tête peuple là. Fait comprendre que chaque monde qui vient acheter un terrain dans pays d'Haïti pour le fond business, oui, étranger pas qui doit 10, pendant ce temps, ou même on saute en Haïti, avec des pots boudou, ou monter en Dominicanie, ou monter aux États-Unis, ou monter la France, ou aller au Canada, ou à acheter caille, ou à acheter terre. Pour qu'ils soient cachés la caille, ils ne peuvent pas cacher la caille. Bon, mon réponse. Nous foutons hypocrites. Et ça cause mais qui mettez nous dans l'état nous là. Nous dit tout le monde pas cacher la caille. C'était pas nous qui plus diamants, plus l'or, plus richesse. Pas de problème. Mais quand nous montons aux États-Unis, toute vision nous, tout rêve nous pour nous battre, pour nous travailler, pour nous acheter un caille, pour nous vivre. Ça qui fait nous cacher la caille nous, ça qui fait nous cacher la caille et puis nous pas cacher la caille nous. Nous foutons très trop comme peuple. Et font dit vérité ya. Nous traitons tout comme peuple et ça qui cause nous est que nous là. C'est hypocrisie que nous pas voulons mettre de côté. Oui, pas de problème. Étranger pas qui doit acheter. L'État qui met ton balise, l'État qui met ton condition. Mais étranger a venu comme si on prêtait le morceau de terre pour le fond construction qui vaut 2 3 comme 5 10 millions de dollars américains là, on a prêté lui. Et garé lié. C'est oligarque là même qui fout tout ça comme peuple pour venir hypocrite là pour faire comprendre que seul ça même étranger pas qui doit disparaître de date. Pendant ce temps, on va fouler sol la caille moun tout le temps. On va flotter drapeau dans le pays moun tout le temps. Kouye le vond drapeau américain dans le pays ou quand sauté. Nous foutons très trop. Nous traitons comme haïtiens. Et pour nous retirer ça la caille nous. Nous traitons comme haïtiens. Nous m'en enragé. Nous disons nous dans le pays moun yo. Drapeau n'a flotté tout côté. Yo aide nous flotter drapeau. Nous battons bravo pour nous. Mais kouye le kouye son drapeau. Pas yon dans le pays. Nous tout plume sous nous comme si levé. Nous j'aime moi côté à prendre drapeau nous États-Unis pour y passer papier ou j'aime moi côté Amérique à prendre drapeau pour passer papier pour Chirel? Non, bah j'aime moi ça. Qui ça fait nous même dans pays d'Haïti pas que petit salope sous chez basse ou qui petit volet toujours prendre drapeau américain prendre passer le papier. On fait bagaille ça yo. On pas faire genre de bagaille ça yo. Et pour nous retirer ça la caille nous. On nous faire une politique éclairée parce que monde là dans niveau là pas avancer là politique haine non. Politique hypocrisie, faut nous mettre de côté si nous voulons avancer pour tout bon. On va le parler parce que l'important pour nous parler avec peuple ça parce que trop hypocrisie réduit nous dans l'état que nous trouvons. Nous quittons équipe nèg qui a parlé dans le micro qui fait nous traite qui nous hypocrite comme peuple diviser nous et c'est oligarque qui vraiment cap régner. C'est lui qui va nous stratégie ça pour foutre des troupes tête nous et puis lui même pour le capable comme si gérer tête lui. Gérer tête li. N'a que maintenant ça en permanence. Le jour où un groupe nous qui veut mettre tête ensemble, yo font face au discréditer nous. Et ces médias traditionnels, yo fait attaquer nous directement. Nous va jamais mettre tête nous ensemble dans rien. Nous tout gon coup pour nous l'autre. Un mouvement commencé là, intelligent envie prendre pour la jeter la donne pour ces lick mettre li. Qui ça fait nous tout pas qu'à faire ensemble. Hypocrisie. Hypocrisie. Pas tolérer. Nous va jamais qu'à faire bagarre entre nous comme si pour le kembe pour le en permanence. Et puis le commencer, il faut le finir mal. Tellement nous foutons traite comme peuple. Aïe, c'est foutre traite, nous traite en pile. Et font deal, c'est de vérité absolue. Nous ne pouvons jamais vivre ensemble avec nous. Nous traite. Jeudi, c'est 21 mai 2024. Nous content pour me saluer, non? Nous content pour que nous ensemble avec nous. Nous content pour nous parler pays. Je suis content pour nous parler, pour nous commenter. Actualité politique Zilia. Je suis content. Après de nous partager l'émission. Hein? Et tout côté, sur WhatsApp, sur Facebook. Il y a une façon pour que nous permettre plus haïtiens naturellement capables de participer ensemble avec nous. Dans le cas d'émission, ça. Un petit bravo avec tous les amis. Et qui toujours campé bon côté plateforme Maman Pemba plateforme YouTube Info Betoa. Bravo pour chaque grain dans nous.
OK. Et il est important. Voilà, il y a une nouvelle qui fait tomber là selon un plus gros média américain et qui c'est New York Times. New York Times fait qu'on est et Dimitri Hera, ancien commandant chef IRGPN, petit garçon Joseph Michel Martelly, jeune garçon qui impliqué jusqu'au zoo dans l'assassinat président Jovenel Moïse, trafiquant d'armes, drug dealer, kidnapper, Dimitri Hera, monsieur c'est actuel conseiller spécial ISO 5 secondes. Et c'est monsieur directement qui conseillait ISO mettait campé l'armée que ISO mettait campé à sous pied. Et c'est Dimitri Hera qui facilitait ISO à récupérer une quantité matérielle qui était commandé pour USGPN. Monsieur gain information, hein? Monsieur fait ISO aller dans port Edouard Boussan qui c'est CPS en bas. Yo kon numéro conteneur yo, ils ont al casser conteneur, ils ont prend matériel li et puis ils ont gen l'armée que le gamba dans village de Dieu. Pour moun ki te dit que Dimitri Hera quitté pays a, c'est pas vrai. Dis bon parole et dis le bien. Dimitri Hera pas quitté pays a, monsieur en Haïti. Monsieur en Haïti, monsieur dormi Pekiville, pas contre si monsieur village de Dieu, monsieur dormi Pekiville. Et pas que la police cap chercher monsieur. L'État haïtien pas chercher Dimitri Hera. La justice haïtienne pas chercher Dimitri Hera. La police nationale d'Haïti pas chercher Dimitri Hera. Monsieur Gan pile policier avec elle, monsieur c'est chef que lui dans pays là. Monsieur c'est petit garçon Mateli, il fait salve dans pays qu'on ne pas la voilà. Parce qu'il touye Jovenel Moïse. Dimitri Hera. New York Times fait connaître monsieur c'est conseil spécial ISO 5 secondes dans village de Dieu. C'est ça qui pays là. Nous sommes j'aime te dire nous. Tu as un plan. Tu as un bagage, monsieur, honnêtement. À plusieurs reprises, alors pendant deux fois officiellement, nous avons fait émission ça. Avant de s'écraser prison, prétexte voyage à l'aléa, et te répéter. Honnêtement, je dis nous. Pendant deux fois, nous avons dit nous, Dimitri Hera, Jean Laguel Civil, a monté un plan pour casser prison pénitentiaire nationale. Est-ce que quelqu'un qui a demandé là? Bon, naturellement, tout le monde fait mes amis plateforme YouTube et vous mettez. Connaissez que nous-mêmes, nous ne pouvons pas envoyer monter. Nous disons ça n'a pas dit. Parce que nous avons besoin d'informations. Eh bien, là, on a eu un cas de prison. Dans la question de voyager à l'aléa, c'est une stratégie. Et on te connaît un cas de prison. Et quand pile comme qui baille pour que la prison soit écrasée. Pablier Brent d'ailleurs, quand on ne parle pas de la voie. Pas de monde qui cherche Brent. OK? Brent d'ailleurs, pas de monde qui cherche Brent. Et là, Brent est évadé. Et Brent est. Rapide récupéra, c'est la mort qui t'a joué pour que il te remarie Brent encore. Parce que c'est la mort qui t'a marié Brent. Mais maintenant, la mort pas chef, la mort peut-être à distance, il va rentrer en Haïti, il va monter aux États-Unis, la mort pas qu'à parler. Mais pas oublier, la mort, c'est un système dans piraille dans le pays. Et système dans pire peur tout. Système dans pas qu'à trouver la mort. Et bien, système dans fait tout ça que le connaît pour détruire la mort. Il a détruit monsieur national, coup international. La mort est entrée dans le pays d'Haïti, l'objet de tout système judiciaire pays d'Haïti, levé dans la mort. Le jour même. Et après, il vient avec des dossiers et comme s'il y a des preuves contre la mort. Et ça pour nous comprendre. Le système n'a pas fonctionné. Et vous ne travaillez pas pour lui, il y a assez de pouvoir pour que vous créez, vous dans tout sens où vous est. Mais pas oublier, vous même toujours là. Vous ne pouvez pas jamais vous persécuter. Vous ne pouvez pas jamais avoir un problème parce que vous êtes maître pays. Même Jean-Président Jovenel Moïse Tédio. C'est comme si m'a dit yo c'est yo c'est Haïti. C'est yo c'est Haïti ou même aussi et famille loin. Yo c'est Haïti ou même. Eh bien, frère avec sœur, n'a pas avancé sous point que nous t'ai dit que n'a pas avancé affaire et politique Zéléa. Haïti, dans le budget de la Dominicanie, que le pape dit nous publiquement. Mais Haïti, dans le budget, officiellement, le pape prépare, le pape dit, mais comme il c'est comme si il a dit, Haïti, son ministère pour la Dominicanie. Ça va bien? Même j'ai eu un ministère touriste,
que vous faites collecter toute l'argent, ça a 11 milliards de dollars américains pendant l'année 2023. Haïti, c'est comme si vous avez dit, c'est un ministère qui est lié en dedans du gouvernement dominicain, dans l'État dominicain. Haïti, c'est une quantité de milliards qu'il pote tout. Haïti, c'est une quantité de milliards qu'il pote. Haïti, pote milliards dans les affaires, manger, qui sont des produits. Haïti a acheté dans l'État dominicain, plusieurs milliards. Haïti, aider la Dominicanie, joindre sa nouvelle, mais d'œuvre à bon marché. Il y a rentré milliards dans la construction. Haïti, aider la Dominicanie, joindre milliards dans l'investissement dans le secteur immobilier. Et c'est yo qui te dit, yo dit c'est sorti 2020 pour arriver 2023, Haïti, et hommes d'affaires haïtiens, politiciens haïtiens, yo investi 1 milliard 500 millions de dollars américains dans le secteur immobilier seulement en Dominicanie. Haïti. Attendez bien, il paye ya. Nous allons essayer de comptabiliser. Parce que pas oublier, n'a pas parlé en connaissance de cause, n'a pas parlé avec des preuves. Dominique Gael, nous Gael. Haïti fait la Dominicanie fait milliards dans haïtiens qui pral vive en Dominicanie dans affaire kay paye kay chaque mois, paye courant, paye internet, paye de l'eau, fait maquette. Dominicanie fait milliards. M'a dit nous ça peuple haïtien, ou pas jamais saute dans sa contrevo là, tout autant que nous pas prendre décision drastique pour nous dire que naturellement nous prenons le fond politique éclairé ça que ne pas attaquer la Dominicanie pour qu'on capable faciliter Haïti gain stabilité pour ne pas représenter une menace pour Zilea. Pendant que Luis Abinader fait capital politique li sous dos nous comme haïtien, mais lui même li tout profitable générer volume milliard li sous dos instabilité que la critique en Haïti de manière hypocrite là. Est-ce que nous là bon moi prend un bagage qui est extrêmement important. Par exemple, officiellement on dit nous que Haïti chaque année fait la Dominicanie rentrer 2 à 3 milliards dollars américains. Moi m'a pété le 4 milliards parce que depuis on dit 2 milliards, on connaît que dans marché informel là, il y a plus passé 2 milliards qui passaient. On nous dit 4 milliards dollars américains qui rentrent que nous même acheter pour la Dominicanie chaque année, 4 milliards. C'est 4 avec 9 0, c'est ça. C'est ça oui. Et voilà. 4 milliards. Voilà, 4 milliards. Bon, fait exercice ça qui est extrêmement important pour nous comprendre véritable alors volume l'argent qui sorti dans territoire la caille nous chaque année qui rentre la caille dominicaine. Moi prends année 2020. M'a pour arriver 2023. Moi multiplier 4 milliards par 3. En avance, multiplier par 3. Liban moins 12 milliards de dollars américains commerce que nous acheté dans la Dominicanie sorti 2020 pour arriver 2023. 12 milliards de dollars américains. Payim, nous comptons ça, ça veut dire milliards. Yon milliard veut dire 1000 millions. 1000 millions. 1 million veut dire. On va sortir de 100 000 jusqu'à 900 000. 950, 960, 900. Attendez bien, oui. Jusqu'à ce qu'on arrive dans 999 000 pour arriver dans 1 million. En avance, 1 milliard veut dire 1000 millions. Nous achetons pour 12 milliards de dollars américains marchandises dans la Dominicanie pendant 3 années. Ça c'est basically. C'est pour pipitia. Même qu'on ait plus. Nous qu'on 12 milliards de dollars américains ça là. N'a dit plus. Et il faut faire exercice ensemble avec parce que m'a tout fait messieurs dames si nous pas faire la même. Sorti 2020 pour arriver 2023.
oligarque corrompu avec politicien haïtien investi dans le secteur immobilier 1 milliard 500 millions de dollars américains. En avance. Plus 1 milliard 500 millions. 1,500. Et puis.